Nous sommes jeudi 14 mai 2020. Au Conseil de santé publique, mettez bas les masques. Gouvernement, vous nous avez imposé le confinement qui aboutit à un désastre économique sans précédent, à des désordres psychophysiologiques énormes, des peurs irraisonnées. Bref, vous avez mis la nation dans une situation, comme d'habitude, apocalyptique, sous les conseils du Haut Conseil de santé publique. Des mots qui ne veulent rien dire redondants pour en foutre plein la gueule. Nos médecins, pharmaciens, biologistes, citoyens, par souci de vérité biologique, demandent aux membres du HCSP, au Conseil de santé publique, d'apporter les preuves irréfutables qui ont imposé le confinement de tout un peuple pendant plusieurs semaines. Et nous vous en voulons. Les membres de ce conseil non scientifique, à notre avis, sont Gérard Badéian, exploitant de la société Badéian Gérard, tiens, Antoinette Desportes d'Avonneau, chargée de recherche documentaire, bon Dieu, mais Pierre Guillet, médecin généraliste, un médecin n'est pas un savant, ce n'est pas un scientifique. Roland Sambuc, docteur en médecine et en sciences économiques, ce n'est pas un scientifique. Simone Sandier, économiste. Patricia Siouek, rédacteur en chef de la revue ADSP. On se moque de qui? Quel n'a pas été notre étonnement et mécontentement? Les administrés de toutes les communes de France désirent des preuves rigoureuses sur l'utilité de ces distanciations sociales, sur le port conseillé des masques et ce permis restrictif d'autorisation de circuler. L'Allemagne, en son temps, n'a pas fait mieux. Nous faisons remarquer que des biologistes, professeurs de physiologie générale, docteurs en médecine, agrégés en pharmacie, ont largement démontré, naguère, et aujourd'hui, que la panspermie atmosphérique, le virus qui vole, n'est-ce pas, dogme pasteurien était fausse. La contagion entre humains est pratiquement impossible. Il faudra bien que l'on s'explique. Nous demandons finalement qu'un tribunal d'experts indépendants en biologie cellulaire, génétique, microbiologie, physiologie puisse analyser les arguments du HCSP au Conseil de santé publique et les nôtres afin que toute lumière soit faite sur le sujet de la contagion. Gouvernement, justifiez-vous. Le peuple, oui, tous mes amis citoyens attendent vos explications. Voilà, je vous l'ai dit en peu de temps.